adoration à Jésus. Avec des cris de joie et des cris de victoire, Jésus. Avec des acclamations, voilà. Jésus. Jesus Christ. Avec des cris de victoire, Jésus. Jésus-Christ. Lis pour nous Proverbe 27, 23, 27. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillis. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Amen. Be sure to know the condition of your flocks. Give careful attention to your herds. For riches do not endure forever, and a crown is not secure for all generations. When the hay is removed and new growth appears, and the grass from the hills is gathered in, the lambs will provide you with clothing and the goats with the price of a field. You will have plenty of goat's milk to feed your family and to nourish your female servants. Amen. La parole de Dieu nous recommande et recommande à chaque berger de connaître bien ses brebis. The word of God recommends each shepherd to know their sheep very well. Nous allons dire quelque chose sur la connaissance des brebis. We are going to say something on the knowledge of the sheep. Quand Dieu te donne un troupeau, when God gives you a flock, tu dois à tout prix, tu dois payer le prix, you must pay the price, pour connaître chaque brebis. To know each sheep. C'est une connaissance qui n'est pas charnelle. It's a knowledge that is not carnal. N'essaie pas de faire des tests de personnalité. Do not try to carry out personality tests. De tempérament. Temperament tests. Tu ne vas pas t'en sortir. You will not succeed. Il faut payer le prix. You must pay the price. Pour connaître spirituellement chaque brebis. To know each sheep spiritually. Les mondains ont des méthodes des sciences humaines, des sciences sociales. Human worldly people have ways, worldly ways of knowing these things. Pour essayer de comprendre l'être humain. To learn how to understand a human being. Un être humain normal est ondoyant et divers. A normal human being is diverse and undulant. Versatile. On ne peut pas le cerner. We cannot really lay hold of him. Il est changeant, il change. And it's very changing. Il y a un philosophe Héraclite, il disait que un même homme ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve. He said, a philosopher said, one man cannot enter a river twice. Donc, humainement, tu ne peux pas connaître l'homme. So it means that, humanly speaking, you cannot know a man. Surtout les pasteurs. Especially for pastors. Quand quelqu'un t'a déjà raconté l'histoire de ta vie. When someone has already told you the story of his life. Ton intelligence est marquée par ce qu'il t'a dit. Your intelligence, your mind is marked by that which he has told you. Mais Dieu te dit, connais tes brebis. But God is telling you to know your sheep. Toi, tu as un cliché du témoignage dans ton esprit. You have an idea of the testimony in your spirit. Si une femme te dit, par exemple, j'ai connu beaucoup d'hommes. If a woman tells you, for example, I have known many men. Si tu n'as pas
la capacité de connaître spirituellement les gens, if you do not have the capacity to spiritually know who people are, dès que tu la verras, the moment you see her, tu auras l'image d'une prostituée. You have the image of a prostitute. Cela peut t'empêcher de lui donner les soins adéquats. That can prevent you from giving her the care that she needs. Lis pour nous 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. 2 Corinthiens 5, 16. Merci. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Deuxième lecture. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16, version parole vivante. Ainsi, désormais, nous ne jugeons plus personne d'après des critères purement extérieurs à la manière du monde. Autrefois, notre jugement sur le Christ lui-même se basait sur son apparence extérieure. Ce que nous pensions de lui s'inspirait des points de vue du monde, mais maintenant, nous le connaissons d'une toute autre manière. Amen. Amen. Là, on relit encore. Ça, c'est très, très pratique. Relisons ça ensemble. Ainsi. Thus. Désormais. Henceforth. Nous ne jugeons plus personne d'après des critères purement extérieurs. Nous ne jugeons plus personne d'après les critères purement extérieurs. We judge no one based on external criteria. À la manière du monde. À la manière du monde. In a worldly manner. Nous ne jugeons plus personne. We judge no one. En nous appuyant sur des connaissances extérieures. Based on external knowledge. À la manière du monde. According to the world. Autrefois, notre jugement sur le Christ lui-même. Même quand on jugeait le Christ lui-même. Even when Christ himself was being judged. On disait que c'est le fils de Joseph. They were saying he's the son of Joseph. Notre jugement sur le Christ lui-même se basait sur son apparence extérieure. Notre jugement sur le Christ, même Jésus. Even Jesus. Les gens n'ont pas connu Jésus spirituellement. People did not know Jesus spiritually. Ils l'ont connu charnellement. They knew him carnally. Selon les critères extérieurs. According to external criteria. Ce que nous pensions de lui s'inspirait des points de vue du monde. Ce que nous pensions du Christ. What we thought about him. S'inspirait du point de vue du monde. Was inspired by worldly points of view. Mais maintenant. But now. Nous le connaissons d'une toute autre manière. Nous le connaissons d'une toute autre manière. We know him otherwise. Merci. Lis chez toi. 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Maintenant, nous-mêmes, now we ourselves payons le prix, pay the price pour avoir une connaissance spirituelle de chacun de nous. Must pay the price to have a spiritual knowledge of each one of us. Connaître chacun d'une nouvelle manière. To know each one in a new way. Continue. Continue. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Frère. Brethren. Tu dois laver tes yeux avec le collyre de Dieu. We have to wash your eyes. Pour regarder les frères. To look at the brethren et les voir and see them dans le dessein de Dieu. In the purposes of God. Et les voir and see them laver
washed, purifié, purified, transformé, transformed, adopté, couronné, crowned, glorifié, glorified. Les frères, the brethren, vu, seen, connu, known, d'une nouvelle manière, in a new way, pas de stigmatisation, no stigmatization. Ne regarde pas un frère, do not look at a brother, qui a payé le prix, who has paid the price, pour rendre son témoignage, to give his testimony, ou bien pour se repentir, or to repent. Tu commences à voir que le sorcier, and start saying, oh, the sorcerer. Il faut voir la gloire de Dieu. You must see the glory of God. Nous ne connaissons personne, désormais personne selon la chair. Henceforth, we will look at no one according to the flesh. Dieu même, quand Dieu nous regarde, when God looks at us, il a dit dans sa parole, he said in his word, je ne me souviendrai plus jamais de leurs iniquités. I will never remember their iniquities. Jamais. Never. Si Dieu pouvait stigmatiser les gens, if God would stigmatize people, les étiquettes, and he put etiquettes on us, ça allait être grave. It would have been terrible. On allait marcher avec les marques, we'll be walking with, sur nos corps, with marks on our bodies. Voleur, bandit, prostitué, prostitute, paresseux, lazy one. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. We do not see anyone according to the flesh. Quand tu regardes une brebis que Jésus t'a donnée, when you look at a sheep that Jesus has given you, laisse que l'esprit te parle de lui. Allow the spirit to talk to you about that person. C'est très important. It's very important. Laisse que Dieu te révèle ses desseins dans sa vie. Allow God to reveal his purposes for that person. Frère, il va le faire. Dieu le fera. God will do it. Parce que c'est son entreprise. Because it's his enterprise. C'est lui qui t'a donné le travail. He is the one who gave you the job to do. Il sait. He knows que tu as besoin d'une connaissance révélationnelle du disciple. He knows that you need a revelational knowledge of the disciple. Pour réussir à l'aider. To be able to help him. Il sait. He knows que tu as besoin, que tu dois connaître ses craintes. That you have to know his fears. Ses frayeurs. His frights. Ses angoisses. His anguishes. Il le fera. He will do it. Il permettra que tu lises. He will allow you to be able to read l'état intérieur, the inner being, pour que ton ministère soit efficace, so that your ministry will be efficient. Il te donnera des mots, he will give you the words, en tenant compte de l'état intérieur de la vraie vie, taking into account the inner part, the inner being of the flock. Quand Jésus a restauré les disciples qui allaient à Emmaüs, when Jesus restored the disciples on the way to Emmaüs, après son départ, after his departure, ils ont rendu témoignage. They gave a testimony. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Was our heart not burning within us when you were speaking to us? Il y a une connaissance des brebis. There is a knowledge of the sheep. Qui donne des mots à propos. That gives the appropriate words. Qui guérissent l'homme intérieur. That heals the inner man. Un bon ministère. A good ministry. Dépend de la connaissance spirituelle. Depends on spiritual knowledge. Une connaissance que Dieu révèle. A knowledge that is revealed by God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Oh Père, merci infiniment. Merci infiniment. Parce que nous venons et nous jouons. Maintenant, nous allons travailler ensemble avec toi, avec ton fils Jésus-Christ, pour bâtir, Seigneur, un disciple, afin que le disciple aussi soit élevé. Merci infiniment pour cette grande connaissance que tu nous apprends. La gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Vous notez ceci. Take this down. La connaissance spirituelle des brebis, la connaissance des brebis est spirituelle. The knowledge of the sheep is spiritual. La connaissance des brebis est spirituelle. The knowledge of the sheep is spiritual. Il n'est pas utile.
It is not useful d'utiliser les méthodes mondaines to use worldly methods pour chercher à connaître les brebis. To seek to know the sheep. En cherchant à connaître les brebis, tu ajoutes les brebis que Dieu nous a données. Add to it the sheep that God has given to us. Cette connaissance, this knowledge, est charnelle. Is carnal. Elle ne sert à rien. It serves no purpose. Elle ne donne pas accès aux soins efficaces des brebis. It does not give access to efficient care for the sheep. Tous ceux qui sont remplis d'une connaissance charnelle des brebis, all those who are filled with a carnal knowledge of the sheep, ne parviendront jamais à donner des soins adéquats. Will not be able to give adequate care to the sheep. Des soins efficaces. They will not be able to give effective care to the sheep. Lis 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Read 2 Corinthians chapter 5. Verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Version Louis II. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Amen. La foi faith intervient dans la connaissance des brebis. Intervenes in the knowledge of the sheep. La foi va au-delà de ce que tu vois. Faith goes beyond that which you see. De ce que tu vois naturellement. That which you see naturally. La foi va au-delà de la perception sensorielle. Faith goes beyond what you can touch. La foi pénètre l'invisible. Faith penetrates the invisible. La foi te révèle, te donne la compréhension de l'œuvre de Jésus. Faith reveals and gives you an understanding of the work of Jesus. Dans le passé, le présent et le futur. In the past, the present and the future. La foi est indispensable. Faith is indispensable. Un incrédule ne peut pas être un berger. An unbelieving person cannot be a shepherd. Impossible. Impossible. Il ne va même pas commencer. He will not even start. Lisons dans, lis dans Ézéchiel 34. Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel chapitre 34. À partir du verset 1. À partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Le pasteur ne devrait-il pas paître le troupeau? Should not shepherds take care of the flock? Ce passage va nous permettre de connaître ce que Dieu appelle troupeau. This passage will enable us to understand what we call a flock. La connaissance spirituelle du troupeau. Pour Dieu, qu'est-ce qu'un troupeau? For according to God, what is a flock? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtu avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéries. Un troupeau, a flock, c'est l'ensemble de deux points. Is tiré. It's a set of two points. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Les brebis faibles. The weak flock. Guéri celles qui étaient malades. Les brebis malades. The flock that were sick. Pensez celles qui étaient blessées. Trois. Les brebis blessées. Those that were hurt. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Les brebis égarées. You did not bring back those who went astray. Cherchez celles qui étaient perdues. Les brebis perdues. A lost sheep.
Mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Merci. Dans la pensée de Dieu, in God's mind, quand Dieu te dit, paie ton troupeau, when the Lord says, take care of my sheep, ce n'est pas seulement les semeurs, les gentils et zélés. It's not only the sowers, kind, zealous, tenacious. Vous êtes mes brebis. You are the sheep. Vous êtes pour moi un encouragement. Alléluia. You are an encouragement to me. Alléluia. Quand je vous vois, je suis fort. When I see you, I'm strong. Non, ça c'est une partie du troupeau, c'est pas le troupeau. That is just a part of the flock. It's not all of it. L'autre peut être en train de danser dans les lieux de maquis là. Others are dancing at the maquis. Tu dois aller la chercher. You have to go and look for them. Ton troupeau peut être dans un même endroit. Your sheep can be in the same place. Dispersé. Or they could be dispersed. Il ne cesse pas d'être ton troupeau parce qu'il est dispersé. Non. They do not stop being your flock because they are dispersed. No. Une brebis ne cesse pas d'être ta brebis parce qu'elle s'est égarée. A sheep does not stop being your sheep because it went astray. Tu dois la ramener. You have to bring them back. Une brebis ne cesse pas d'être ta brebis parce qu'elle est perdue. A sheep does not stop being your sheep because it's lost. Tu dois aller la chercher. You have to go and look for them. Une brebis ne cesse pas d'être ta brebis parce qu'elle tombe malade. A sheep will not stop being your sheep because it has been sick. Tu dois soigner. You have to take care of them. Une brebis ne cesse pas d'être ta brebis parce qu'elle est faible. A sheep does not stop being your sheep because it's weak. Tu dois la fermer. You have to make them strong. Quand Dieu te dit ton troupeau, when God tells you your flock, c'est tout ce qui se porte bien. It's all that are doing well. Tous ceux qui sont malades. And all those who are sick. Tous ceux qui sont perdus. And all those who are lost. Tous ceux qui sont égarés. And all those who have gone astray. Tous ceux qui sont faibles. And all those who are weak. Le troupeau. These are the flock. Quand tu ne peux pas chercher une brebis égarée. When you are not able to look for a sheep that has gone astray, tu deviens infidèle. You become an infidel. Il dit, ce qu'on demande des dispensateurs de diverses grâces, c'est que chacun soit trouvé fidèle. So that which is expected of those who dispense of the grace of God is that each one should be found faithful. Cette connaissance, this knowledge, est spirituelle. Is spiritual. Quand le berger connaît qui est faible, qui est malade, qui est perdu, qui est égaré, when the sheep, il a une connaissance spirituelle du troupeau. When a shepherd knows those who are weak, those who have gone astray, those who are sick, he has a spiritual knowledge of the flock. Sinon, if not, tu vas danser quand il faut rire, quand il faut pleurer. You will dance when you ought to cry. Note ceci. Take this down. Le berger qui veut grandir dans la connaissance spirituelle. The shepherd wants to grow in spiritual knowledge. Dans la connaissance spirituelle des hommes que Dieu lui donne. The spiritual knowledge of the men that God has given him. Doit être un homme. Must be a man. De méditation biblique. Of Bible meditation. Un homme de prière. A man of prayer. La connaissance divine des Écritures. The divine knowledge of the scriptures. Grave dans la pensée du berger. Inscribes in the mind of the shepherd. Le modèle, la maquette, the blueprint du croyant normal, of the normal believer. Un homme qui médite la parole de Dieu, a man who meditates on the word of God, et qui s'adonne à la prière pour les brebis, pas n'importe quelle prière, to praying for the sheep, not any kind of prayer, la prière pour les brebis. Prayer for the sheep. Cet homme-là, this man, aura la maquette, aura le portrait normal du croyant dans son esprit. Will have
a blueprint of the normal believer in mind. Et il peut connaître facilement les desseins de Dieu dans la vie du dans la vie de la brebis. And he will be able to easily know the will of God, the purpose of God for this sheep. Tous les bergers normaux. Every normal shepherd ont une intuition prophétique sur les brebis. Have a prophetic intuition concerning every sheep. Sa clarté dépend de la persévérance dans la lumière. His clarity depends on his perseverance in the light. Vous notez ceci. Take this down. C'est dans la prière pour les brebis. It's in prayer for the sheep. Que le berger reçoit une connaissance spirituelle des brebis. That the shepherd receives spiritual knowledge of the sheep. Si je partage mon expérience personnelle. If I share with you my personal experience. J'ai constaté. I have noticed que la plupart des révélations que le Seigneur m'a donné pour aider les frères, that most of the revelation that the Lord gave me to help the brethren, étaient des révélations données pendant la prière. Were revelations given during moments of prayer. Pendant que je portais les fardeaux des choses que j'ai entendues. While I was carrying the burden of the things that I heard. Les fardeaux que les disciples, que les brebis ont partagés. The burdens that the disciples or the sheep shared with me. Le fait de les porter en prière. Carrying them in prayer. A amené souvent le Seigneur à me montrer ce qu'il faut faire pour les aider. God the Lord to show me what I needed to do to help them. Donc, dans une certaine mesure, in a certain measure, c'est Dieu qui te fait connaître les besoins des gens. It's God that makes you to know the needs of people. Certaines personnes pleurent. Some people cry. Pensant qu'elles ont des problèmes très graves. Thinking they have very, very terrible problems. Alors qu'il n'en est rien. Meanwhile, it's nothing. Mais il y a des choses, but there are things, même anodines, that are very basic. L'esprit va te dire, prends ça au sérieux. The Lord will tell you, take this seriously. Utilise ceci pour délivrer celui-ci. Use this to deliver this person. La prière est un lieu très important. Le lieu de la prière est un lieu très très important. The place of prayer. Very, very important place. Mais ce type de prière s'apprend. You learn this kind of prayer. Une jeune sœur m'a demandé, est-ce que tu pries même pour moi? A young sister asked me, do you pray for me? Je lui ai dit, je prie, mais ça dépend des sujets. I told her, I pray, but it depends on the prayer topic. Je savais ce qu'elle voulait évoquer. I knew what she wanted to talk about. Alléluia. Amen. Bénissons, nous t'exaltons pour tous tes bienfaits dans la vie des brebis. Tu as fait que, Seigneur, nous puissions grandir, c'est vrai, grandir afin de veiller sur ton œuvre. Merci infiniment. Jusqu'à ce que Meunier, sa jalouse urgence, accorde une brebis, crier avec des larmes aux yeux. Nous suivons ce chemin. La gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Vous notez ceci. Take this down. La connaissance spirituelle est le fruit. Spiritual knowledge is a fruit. De la croissance en maturité. It grows in maturity. Vous notez ceci. Take this down. Il faut grandir dans l'amour. You must grow in love. Dans l'amour de Dieu et dans la révélation. In the love of God and revelation. La révélation des choses et la révélation des phénomènes. The revelations of things and the revelation of phenomena. Vous notez que la connaissance spirituelle vient de la plénitude du Saint-Esprit. Spiritual knowledge comes from the fullness of the Holy Spirit.
Le Saint-Esprit est l'auteur de la sagesse de Dieu qui habite en nous. The Holy Spirit is the author of the knowledge of God that dwells in us. Lis pour nous 1 Corinthiens 2, 1 à 9. Read for us 1 Corinthians chapter 2 from verse 1 to 9. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 à 9. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Donc, il y a une sagesse que le Saint-Esprit met en chaque berger. So there is a knowledge that the Holy Spirit puts in every shepherd. Ce sont des choses que Dieu a programmées. These are things that God has planned. Et ça ne doit pas manquer. It must not be missing. On n'achète pas ça. We do not buy this. Tu crées les conditions. You create the conditions. Pour être rempli du Saint-Esprit. To be filled with the Holy Spirit. Et tu te retrouves avec l'esprit rempli de sagesse divine. And you find yourself with your spirit filled with divine knowledge. Ça ne peut pas rater. It cannot be missed. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ça, c'est la première porte. This is the first door. Pour connaître spirituellement une brebis. To know a sheep spiritually. Tu es dans la présence de Dieu. You are in the presence of God. Tu pries. You pray. Tu médites la parole de Dieu. You meditate on the word of God. Et tu grandis en sagesse. And you grow in knowledge. Ton intuition se développe. Your intuition grows. Parce que l'intuition habite l'esprit de l'homme. Because intuition dwells in the spirit of man. Et la lumière de Christ te remplit. And the light of Christ fills you. Tu as une connaissance intuitive des phénomènes. You have an intuitive knowledge of events. Des hommes. Of men. Des choses. Of things. Il y a une connaissance qui vient de ce que le disciple te dit de lui-même. There is knowledge that comes from that which the disciple tells you himself. Là, there, il faut que tu maîtrises l'art d'écouter les disciples. You have to master the art of listening to the disciples. Parce que les gens aiment parler, chacun veut parler. Because people love to speak and people want to speak. Un frère m'avait raconté une histoire. Brother told me a story. Il avait passé des moments très difficiles dans la foi. He went through very difficult moments in the faith. Et il voulait partager avec un frère. And he wanted to share with another brother. Dès qu'il a commencé, as soon as he started, et qu'il a évoqué une faiblesse, and he raised a weakness, le frère s'est mis à le réprimander. The brother started rebuking him. Il était étonné. He was surprised. Il ne sait même pas ce que je vais lui dire.
said, I don't even, he does not even know what I want to tell him. Il commence seulement à me gronder. And he starts rebuking me. Et dit, je ne lui ai plus rien dit. He said, I didn't tell him anything anymore. Pourquoi me disait-il ça? C'est Dieu qui veut m'aider. Dieu veut me dire que ne fais pas ça. God was the one who wanted to help me. He did not want me to do the way he did, the brother Donc, did. Il suscite quelqu'un qui me raconte une ambiguïté. So he raised someone who had to tell me an ambiguous story. Mais il y a une leçon dedans. But there was a lesson in it. Quelqu'un ne t'a même pas encore dit son problème. Il a ouvert la bouche pour dire que vraiment j'avais eu des difficultés dans tel domaine. Et toi, comment? Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Someone has not even told you his story. Just open his mouth and you just start rebuking him. How will you do that? A child of God should not do that. That is self. Bon, c'est moi qui dis ça ce soir. Hein. Ce I'm the one saying it this night. That's not what he said. Je veux rendre ça pour que ce soit compréhensible. I want it to be vivid so you can understand it. Frère, brethren, si une brebis veut te parler, if a sheep wants to talk to you, rends d'abord grâce à Dieu. First of all, thank God. Parce que tu ne mérites même pas ça. Because you do not even deserve tu that. Tu ne mérites pas qu'un frère t'appelle. You do not deserve that a brother calls you pour s'ouvrir, te dire sa vie. To open up and tell you about his life. Si tu crois que tu es quelque chose vraiment, if you think you're something really, tu as raté la chose là depuis. You have missed it a long time ago. Vers les années 90. Around the years 1980s, 1990s. 90, 91, 12, 13. I think 1990, 91, 92, 93. Il m'arrivait. It used to happen to me. Que quand quelqu'un sonne ou frappe à la porte. Now when someone knocks at the door. Dit, or rings oh, the bell. Je dis, oh Seigneur. I say, oh Lord. Permets que je sois une bénédiction. Allow me to be a blessing. Je savais que je n'étais rien. Quelqu'un vient, quelqu'un frappe à la porte. I knew that was nothing. Someone comes knocking at the door. Il faut pas que ils soient découragés à cause de moi. The person should not be discouraged because of me. C'est pour cette raison que j'ai très bien compris le petit livre Vase brisé. That is why I understood very well the little book The Broken Vessel. Et j'ai dit que c'est le plus grand livre du frère Zach. And I've said it's the greatest book written by Brother Zach. Et j'ai dit le plus grand livre du frère Zach est un petit livre. And I said the greatest book written by Brother Zach is the smallest. Frère, un berger n'est rien. A shepherd is nothing, brethren. Un dirigeant, il y a des gens qui disent je suis dirigeant, tu ne sais pas que je suis dirigeant. Yeah, people say, I'm a leader. Don't you know that I'm a leader? Ça c'est zéro. It's nothing. Dirigeant au sens normal veut dire serviteur. A leader in the normal sense of the word means a servant. Le frère Jean nous disait que c'est comme un pot de yaourt. Quand quelqu'un finit de boire le yaourt, il jette le pot là par terre. It's like a container of yogurt. After consuming the yogurt, you throw away the container. La pensée qui te fait réclamer quelque chose, the thought that makes you to claim something is very evil. C'est pour cette raison aussi que j'ai compris très bien le passage qui dit aime les frères. That is why I understood the passage that says love the brethren. Honorez tout le monde. Everyone, craignez Dieu. Fear God. Si c'est ton frère, if it's your brother, tu lui dois une seule chose. You owe him one thing. L'amour fraternel. Fraternal love, brotherly love. S'il désire que tu trembles devant lui, ne tremble jamais. If he wants you to tremble before him, do not tremble. Tu es berger. You are a shepherd. Si les gens tremblent devant toi, if people tremble before you, c'est que tu n'es rien. Tu as raté la mission. It means you are nothing. You have failed the mission. Tu as raté la chose. You have failed. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Si tu constates, if you notice,
que au lieu qu'une brebis craigne Dieu, il craint, il tremble, il ment même parfois pour te satisfaire. Faut pleurer. Quand tu es seul, tu pleures sur toi-même. If you notice that a sheep lies or trembles and is afraid of you instead of being afraid of God, you have to cry out to God. Je connais des gens qui peuvent mentir pour être aimés par le dirigeant. I know people who can lie just to be loved by the leader. Ne fais jamais ça. Never do that. Crains Dieu. Fear God. Honore ton dirigeant. Honor your leader. Aime les frères. And love the brethren. Même si le président de la République vient maintenant. Even if the president of the republic comes here now. Je vais vous demander de vous lever. I'll ask you to stand up. Qu'on l'accueille. And to welcome him. C'est ça qu'on appelle honorer les rois. That is what we mean by honoring those who are in authority. Mais la crainte. But fear. N'est pas au roi. Is not for the kings. À l'Éternel Dieu tout-puissant. Is to the eternal God Almighty. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc la brebis. So the sheep. Te parle. Speaks to you. Tu lui dois une chose. You owe them one thing. L'attention. Your attention. Tu te calmes. You be calm. Tu l'écoutes. You listen to them. Attentivement. Attentively. Tu ne lui prêtes pas les mots comme les gens font dans les conversations vulgaires. You do not give them words like people do in conversations. Si quelqu'un dit j'étais. If someone said I was. J'étais. Ne dis pas fatigué. Non. Don't say tired. No. Écoute que ça sorte. Allow it to flow from the person. Sois tellement rempli de paix. Be so much at peace. Qu'elle ne sera pas obligée de forcer les mots. That a person will not be obliged to force words just to fill up the space because they are afraid. Il doit être en paix. They have to be at peace. C'est là qu'il va trouver les vrais mots. That is where they will find the real words. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les vrais mots sortent quand la brebis est dans l'assurance que tu es bon. The true words come out when the sheep is assured that you are good. Ne interrompe pas. Do not interrupt. Tu dis, je ne te coupe pas la parole. Je veux d'abord t'expliquer quelque chose. Après, tu dis, tu peux continuer maintenant. C'est un autre homme. Si tu interromps, if you interrupt, c'est une autre personne qui va redémarrer le discours. It's another person that will start the discussion. Do not interrupt to say, no, I don't want to clarify this. You have to say it like this, no. Et ça ne va pas t'aider. And it's not going to bless you. Toi, tu veux réussir. Meanwhile, you want to succeed. Donc, remplis les conditions pour maîtriser la chose. So fulfill the conditions to be able to do it right. Tu écoutes. You listen. Tu écoutes. You listen. Priant que Dieu te donne la compréhension. Praying that God will grant you understanding. Vous savez, la compréhension est une faculté de l'entendement humain. You know, understanding is a faculty of you, of the human. Quand quelqu'un te dit, ah, je comprends. When someone tells you, ah, I understand. Ce n'est pas qu'il n'entendait pas. It's not because he was not listening. Tu parlais. You were talking and talking. Il écrit même. He wrote even. Mais la compréhension. But understanding. Vient de l'entendement. Comes from what we hear. S'il y a le bruit en toi. If there is noise within s'il you. S'il y a des préjugés. If there are prejudices. Que tu regardes la personne. That when you look at the person. Il ressemble à un menteur. He looks like, he resembles a liar. Quand il parle, tu penses qu'il t'a appelé pour confesser les péchés. When he speaks to you, you think he called you to confess his sins. Quand il veut dire, je vais te voir. When he tells you, I want to see you. Tu te dis, le pauvre là, il va me demander l'argent. He said, this poor man is going to ask me for money. Et il s'assoit. And he sits down. Il commence à parler. And he starts talking. Toi, tu bâtis un mur pour qu'il ne parle pas d'argent. You build the wall so that he does not talk to you about money. Et il te dit qu'il a fini de parler. And then he tells you he's done talking. Tu réalises que tu n'as rien retenu. And you realize that you have not
understood anything. Parce que tu avais mis un casque. Because you had put a helmet on your head. Pour que le mot 1000 francs ne sorte pas. So that the word 1,000 francs will not come out of his mouth. Maintenant qu'il ne s'agit pas de 1000 francs. Now that it's not all about 1,000 francs. Tu lui dis pardon, reprends ce que tu me disais. Please, can you take over what you were saying? Tu as perdu. You have lost. Tu as perdu. You have lost. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Frère, j'ai un jour. Brethren, one day. J'ai restauré une sœur sans parole. I restored a sister without words. Ce n'est pas que j'avais planifié ça. It's not that I planted. On m'avait dit qu'elle avait rétrogradé. I was told that she had backslidden. Je suis donc allé pour savoir pourquoi elle avait rétrogradé. So I went to find out why she had backslidden. Et voir si je pouvais la restaurer. And see if I could restore her. Je me suis assis. I sat down. Elle a commencé à m'expliquer. She started explaining to me. Elle a parlé. She spoke. Elle a parlé. And spoke. Et j'étais éveillé, mes yeux étaient clairs. And I was alert, my eyes were clear. Elle a parlé, elle a expliqué, elle a parlé, elle a expliqué, elle a parlé, elle a expliqué. She explained and spoke and explained. Après, after, elle a dit, tu vois. She said, you see. Toi, tu m'écoutes. You're listening to les me. Les autres ne m'écoutent même pas. The others don't even listen to me. Il dit, non, c'est fini. I said, she said, it's okay. Je ne retourne plus. I will no longer backslide. Jésus Christ. Jesus Christ. Quand j'ai regardé la montre, elle avait parlé pendant 1h45. When I looked at my watch, she had spoke for 1 hour 45 minutes. Écoute les brebis. Listen to the sheep. Même les réprimandes, frère, on planifie les réprimandes. Even rebukes are planned. Faut pas être excité comme un petit. Do not be excited. Un petit gamin. Like a little planifie child. Planifie les réprimandes. Plan to rebuke. Un jour, le Seigneur m'avait dit. One day the Lord told me. Fixer des rendez-vous solennels. J'appelle ça dans mon jargon les rendez-vous solennels. I call them in my jargon solemn encounters. Je peux te dire, je vais te voir. I can tell you, I would like to see you. Je peux te dire ça pendant une semaine, deux semaines, un mois. I can tell you that for one week, 2 weeks, 1 month. À un moment donné, toi-même, tu veux déjà m'attraper pour aller écouter. At a certain point in time, you yourself, you desire to hold me and ask me to tell you what I want to talk about. La bénédiction qui est dedans, c'est que le temps que toi-même tu mets. The blessing in it is that the time that you take. Tu cette excitation charnelle que viens. Kills the carnal excitement that says come. On dit que tu étais où? Where were you? Je n'étais nulle part yeah, comment. I was nowhere. Tu mens. You're lying. Après tu reviens, non, pardonne-moi, j'ai demandé, ce n'était pas comme ça. And then you come back and say, forgive me, I asked, and it was not like that. You have lost. Tu as perdu l'autorité. You have lost your authority. Je veux te voir. I want to see you. Je veux te voir. I want to see you. Il faut qu'on se voit. We need to talk. Est-ce que j'ai déjà causé avec toi depuis que tu es né? Have I spoken to you since you were born? Tu dis non. Say no. Il faut qu'on cause. So we need to talk. Avant que le jour n'arrive, le Saint-Esprit a déjà travaillé même. La personne est prête pour s'envoler. Even before we meet, the Holy Spirit has already worked on the person's heart and the person is ready to take off. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ne sois pas excité pour rien. Do not be excited over nothing. Les brebis que nous voyons. The sheep we see. Ils ont l'intelligence. They are intelligent. J'ai dit aux missionnaires, parce que les missionnaires sont mes amis. I told the missionaries because the missionaries are my friends and we have the same status. Quand tu es debout comme je suis debout devant vous, la chère missionnaire. You say when you're standing like I'm standing before the people. Tu ne sais pas combien d'éducateurs sont dans la salle. You don't know how many educators are in the hall. Et leur cerveau est formaté, ils ont leur manière de regarder les hommes. And they have a way of looking at men. Tu ne sais pas combien de philosophes sont là. You do not know how many philosophers are here. Les gendarmes,
les policiers, les armed forces. Ils ont une connaissance de l'homme selon leur métier. They give them a knowledge of man according to their job. Les professeurs des universités. University professors. Donc, ils sont donc là dans la salle. They are all in the hall. Quand tu dis levons-nous. When you say let's stand tout up. Tout le monde se lève. Everybody stands up. Asseyez-vous, tout le monde s'assoit. Sit down, everybody sits c'est down. C'est comme si tu es sur le trône de Dieu. You are excited and you're like on the throne of God. Tu commences à parler. And you start speaking. Pendant que tu parles, as you speak, ton discours est analysé. Your discourse has been analyzed. Tu penses que ce sont des fous qui sont dans la salle? You think that there are mad people in the hall? Donc, sois calme. So, be quiet. Parle un peu. Speak a little. Ça va te faire du bien. It will do you good. Et ça va bénir ceux qui t'écoutent. C'est ce que Paul dit à Timothée. That is what Paul says to Timothy. Ta manière de parler te sauve. The way you speak saves you. Et bénit ceux qui t'écoutent. And blesses those who listen to you. Le frère de Gonzalez, rends ton témoignage. Comment pour que les académiciens comprennent que ce n'est pas une théorie que j'enseigne. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je voudrais sanctifier le nom du Seigneur. I want to sanctify the name of the Lord. Alors, tout a commencé dans l'assemblée chez les Zigbé. It started with the assembly at the Zigbé. J'étais étudiant en année de comptabilité, BTS. I was an accounting student. Et j'étais dirigeant en formation. And I was a leader in training. Et frère, je parlais beaucoup. I used to talk a lot. J'ai parlé, 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 parlé. I used to talk and talk and talk. Et un jour, and one day, le leader m'a intimidé lors de ne pas parler, de ne rien dire. The leader intimidated me and said I will say nothing. À l'assemblée. Je suis resté un an et demi dans l'assemblée sans parler. I spent 1.5 years in the assembly without talking. Il avait oublié qu'il m'avait intimidé de ne pas parler. And he forgot that he had forbidden me from speaking. Donc c'est après un an et demi dans l'assemblée. So it's after a year and a half. Je ne parlais pas. That I was not speaking. Vendredi, je viens à la prière. I will come for the prayer. Je ne parle pas. I will not speak. Dimanche, je viens à la prière. On pendant l'adoration, je ne parle pas. I will come for the worship service and not speak. Le week-end d'enseignement également, je ne parle pas. And the teaching weekends, I will come and I will not speak. Un an et demi. Plus tard, il disait, pasteur, ça fait un an et demi que je ne parle pas. Il dit, comment ça? So it was a year and a half, and I came to him and I said, it's been 1.5 years. I've not spoken. Et ce fut ma délivrance totale. And that was my total deliverance. Et j'ai été béni. And I was blessed. C'est facile d'oublier quelque chose. Oui, oui. Il allait détruire sa carrière. He had destroyed his career. Il parle. He talked. Un jour, les gens lui disent que mais tu parles, tu dis que c'est le Saint-Esprit. Ça. One day people told him, you talk a lot, he said, no, it's the Holy Spirit. Quand on m'a dit ça, il dit que non, là c'est un danger même. When they told me, I said, there is danger. Allez, tu ne parles pas. You will not speak. Il y a des gens qui obéissent. There are people who obey. Et là, and there, je n'ai pas fait exprès. I did not do it on purpose. Ce n'était pas charnel. It was not carnal. J'ai eu une onction. I had anointing de lui demander ça. To ask him to do that. J'ai fait ça à deux personnes. I did that to two people. Il y a un missionnaire. There is il y avait un couple. A missionary couple. Ils avaient des problèmes très sérieux. They had very serious problems. Et le frère Zach les a laissés ici à Abidjan. And brother Zach left them here in Abidjan. Il était en colère. He was angry. J'ai fait tout. I did everything. Pour supplier que non, pardon. To beg. No, please. Le frère Zach ne s'amusait pas avec les missions. Il y a des missionnaires qui ne savent même pas comment l'œuvre s'est commencée. Brazad never used to joke with missionaries. And missionaries don't even know how this thing started. Il dit non, c'est fini. He said it's finished. It's over. Il est parti. He left.
J'ai donc gardé le couple. So I kept the couple. Je me suis mise à travailler avec eux. I started working with them. J'ai découvert. I discovered que l'épouse parlait beaucoup. That the wife spoke a lot. Même pendant la prédication, elle se lève et dit quelque chose et s'assoit encore. Even during the preaching, she would stand up, say something, and then sit down. Et il y avait d'autres détails. And there were other details. Je lui ai dit. I told her. Tu vas te taire. You will keep quiet. Tu n'interromps plus le frère. You will no longer interrupt the brother. Tu ne parles pas à l'assemblée. You will not speak in the assembly. Et Dieu nous a bénis. On a eu les billets d'avion. On leur a donné des billets et sont rentrés. And the Lord helped us. We bought their flight tickets and sent them back. J'ai oublié. I forgot about it. Plus d'un an. Je vais lui demander qu'elle me rappelle. C'était plus d'un an. Ça devait être encore même un an et demi. It was about a year and a half. Elle m'appelle. She called me. Pasteur, est-ce que je peux maintenant parler? She called me. Oui, 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 oui. Pastor, can I now speak? Oui, she said, I said yes, yes, yes. J'avais oublié. I had forgotten. J'ai dit non, tu peux. I said no, you can. Et le frère Zach est arrivé, il est allé là-bas. And Brazza came and went there. Quand il est revenu, when he came back, il m'a dit, he told me, tu m'as évité une erreur. You avoided a mistake on my part. C'est toi qui avais raison. You were right. Il dit, les frères, said brethren, ils ont prospéré. They prospered. Ils ont eu des âmes. They had souls. Ils ont bâti leur maison, une villa. They built their house, a villa. Ils ont bâti le temple. And they're building the temple. Ils ont créé une école qui avait plus de 1000 élèves. They started a school that had more than 1,000 students. Ils ont créé un collège qui avait, je crois, trois bâtiments à un étage. They had a college that had at least three buildings. Ça doit être deux ou trois bâtiments. I think two or three buildings. Ils avaient, je crois, au moins deux voitures. I think they had about two cars. L'église était vraiment, les frères étaient soumis. The brethren were submissive. La langue peut tuer. The tongue can kill. Deux cas de silence. Two cases of silence. Ça produit des hommes solides. It produces submissive men. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il faut écouter les gens. You have to listen to people. Si tu ne les écoutes pas, if you do not listen to them, tu vas bâtir à partir des préjugés. You are going to build on the basis of prejudices. Tu ne vas pas toucher les cœurs. You will not touch hearts. Tu ne vas pas toucher les esprits des hommes. You will not touch the spirits of men. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il faut écouter. You have to listen. Tu peux demander à chaque disciple. You can ask each disciple de te donner un cahier de disciples. To give you a book for the disciple. Dans ce cahier, in that book, il écrit son adresse. He writes his address. Il écrit ses dons spirituels. He writes his spiritual gifts. Il écrit ses talents naturels. He writes his natural talents. Il les énumère. Il établit une liste. He makes a list of them. Une liste de talents, une liste des dons spirituels. A list of spiritual gifts and a list of talents. Une liste de talents naturels. A list of natural talents. Une liste des points forts de sa vie. A list of the strong points of his life. Une liste des points faibles de sa vie. A list of the weak points of his life. Et te donne. Il écrit son ambition pour Christ. And writes his ambition for Christ. Même si c'est faux, il doit écrire. Even if it's wrong, it's false, let him write it. Ce sont des choses spirituelles. They are spiritual things. Tu ne barres pas que non, tu n'as pas ce don. Tu laisses tel qu'il a écrit. Tu laisses. Do not cancel it and say you do not have this gift. Leave it. Ton travail. Your work. Dans la suite. Sera de permettre qu'ils grandissent dans le discernement
personnel. Your work will be to help him to grow in personal discernment. Qui pourra l'amener à ajouter d'autres dons sur la liste ou même à enlever certains dons. That will help him to add other gifts to the list or remove the some gifts from the list that he thought he had. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu corriges les difficultés du langage. You correct language problems. Beaucoup de dirigeants sont limités par le langage. Many of our leaders are limited by their language. Si tu corriges les difficultés de langage rapidement, tu auras beaucoup de dirigeants d'assemblée. If you correct the language difficulties quick, you have many leaders in the assembly. Qu'est-ce que je veux dire? What do I mean? Il y a des gens. There are people. Quand ils veulent parler, leur cœur bat, ils tremblent. When they want to speak, their heart beats fast. They tremble. Ils tremblent. They tremble. Quand on dit qu'il y a quelque chose à dire. When you say who has something to say. Leur cœur bat dou. Their heart beats fast. Ils restent assis. He remains seated. Bouche clouée toujours. Their mouths always closed, always. C'est une faiblesse qu'il faut détruire. It's a weakness that must be destroyed. Tu utilises les croisades de prière, les nuits de prière. You use the prayer crusades and the prayer nights. Tu lui poses des questions et se tient devant les frères. Oh, j'étais là. You ask him questions before he stands before the brethren and you ask him questions. He will speak quickly and sit down. Tu lui dis viens lire. Tell him come and read. Après, il commence à lire. Un jour, Jésus est entré. And then he read. One day, Jesus came. Tu l'as délivré. You have delivered him. Mais tu le fais sans l'humilier. You do that without humiliating the person. Tu es en train de l'initier à prendre la parole devant les gens. You are initiating the person to be able to speak in front of people. Si c'est le culte familial, il doit If parler. If it's family devotion, he has to speak. Donc même tu vas constater que la frayeur a disparu. You will notice that the fright has disappeared. Qu'il ne craint plus. That is no longer afraid. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu cours. Il y a des disciples qui doivent retourner faire l'alphabétisation. There are some disciples who must go back to school. Pour apprendre à lire. So that they'll be able to read. Pour bâtir quelqu'un, il faut corriger toutes les distorsions. Be able to build someone, you should be able to correct all the distortions. Certaines personnes doivent aller à l'école. Some people have to go to school. Et avoir des bons diplômes. And have good certificates. Ils avaient déjà laissé. They had already abandoned that. Il faut les renvoyer là-bas. You have to send them back there. Ça guérit le complexe. It heals the complex. D'une façon pratique. In a practical manner. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu peux être un bon berger. You can be a good shepherd. Et tu dois être un bon berger. And you must be a good shepherd. Quand tu écoutes, tu dois avoir un cahier. Un bon cahier pour écouter les gens et noter certaines déclarations. When you listen to people, you should have a notebook in which to take down some declarations. Il peut arriver que tu n'aies rien à dire après avoir écouté quelqu'un. It could happen that you have nothing to say after listening to someone. Ne fabrique rien. Do not fabricate anything. Tu n'es pas à l'épreuve. You are not being put to trial. Un jour. One day, en priant pour la personne, while you will be praying for the person, l'esprit peut te dire, the spirit could tell you, ce que telle personne t'a dit là, voici la réponse. What this person told you, this is the answer to it. Lis pour nous Luc 11 verset 35. Read for us Luke chapter 11 verse 37. Luc chapitre 11 le verset 35. Prends donc garde. Que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Amen. Prends garde. Be careful.
Que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. That the light that is in you is not darkness. Il y a ce qu'on appelle la révélation. There is that which we call revelation. La révélation, c'est quand Dieu ouvre ton esprit. Revelation is when God opens your mind. Pour que tu comprennes un mystère. For you to understand a mystery. La lumière en toi. The light in you. C'est la quantité de Dieu en toi. Is the quantity of God in you. C'est la quantité de la plénitude. The quantity of the fullness. Qui produit la lumière en chacun. That produces the light in each one of us. Et le Seigneur dit. And the Lord says. Que cette lumière qui est en toi. Let the light that is in you. Ne soit jamais ténèbre. Ne s'éteigne pas. Let it never be dark or let it not go out. Cette lumière. This light. Fait partie des choses qui te donnent la connaissance intuitive des phénomènes, des hommes et des choses. Is what is part of that which gives you the intuitive knowledge of phenomena of men and of things. À travers le corps. Through the body. L'homme perçoit par les sens. Man feels with the senses. Mais à travers l'esprit. But with the spirit. L'homme perçoit par l'intuition. Man feels with the intuition. Mais une intuition obscurcie. If your intuition is darkened, ne peut pas être un canal de communication divine. We cannot be a channel of divine communication. Il faut qu'il y ait la lumière en toi. There must be light in you. Il faut qu'il y ait la lumière en toi. There must be light in you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Cette lumière en toi. This light in you. Illumine ton entendement. Enlightens your understanding. Illumine les yeux de ton cœur. Enlightens the eyes of your heart. Si cette lumière s'éteint, if this light goes out, ton intérieur, your inner man, sera comme l'abîme noir. C'est will comme be si, like the abyss, dark. Si tu fermes tes yeux là, if you close your eyes, ça sera comme si tu es dans un trou. It will be like you are in a hole, a dark hole. Quand la lumière en nous s'éteint, when the light that is in us goes out, ça devient comme si tu as fermé tes yeux. It's as though you have closed your eyes. Ton intérieur devient sombre, noir. Your inner being becomes dark, black. Quand tu regardes, when you look, tu ne sens rien, tu ne vois rien. You see nothing, you feel nothing. La lumière qui est en toi, the light that is in you, ne doit pas s'éteindre. Must not go out. C'est comme l'œil du corps. It's like the eye of the body. Cette lumière qui est en toi, the light that is in you, peut te faire lire les intentions des hommes. Can make you read the intentions of man. La Bible parlant de Jésus dit Jésus connu par son esprit. The Bible says Jesus knowing through his spirit. Il sait. He knew que les gens sont en train de comploter quelque chose. That people were planning something. Comment? How? Il a su. He knew par son esprit. Through his spirit. C'est qu'on était en train de planifier. That which was being planned. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Que quelques personnes viennent prier. Let some people come and pray. Pour ajouter à l'élément de connaître bien chacune de tes brebis que nous avons vu. To add to knowing your sheep, that which we talked about last week. Il ne s'agit pas d'une connaissance charnelle. It's not about a carnal knowledge. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ce grand cadeau que tu nous donnes ce soir, pour nous permettre de connaître exactement ce qui voudrait dire connaître bien chacune de tes brebis. Merci de nous permettre de comprendre le mécanisme qu'il faut utiliser, les méthodes qu'il faut utiliser en tant qu'enfant de Dieu pour connaître les brebis, en tant que berger. Nous te bénissons pour ces grandes révélations et nous prions que tu nous bénisses afin qu'en tant que berger, chacun de nous s'en serve pour connaître les brebis. Donne-nous de finir et d'abandonner les méthodes charnelles, les méthodes modernes pour nous atteler à être connectés à toi afin qu'il y ait des connaissances révélationnelles de nos brebis. S'il te plaît, tu as dit qu'avec ces connaissances révélationnelles, tu nous donnes le mot approprié pour conseiller les brebis. Nous prions notre Dieu que personne, aucun berger ne manque cette technique. Garde-nous, notre Dieu, de les appliquer soigneusement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, merci pour ta parole qui vient nous outiller. Père, tu veux que nous connaissions tes brebis, nos brebis, celles que tu nous as données, Seigneur. Père, tu veux que nous les connaissions, Seigneur, pour ne pas passer à côté, Père. Oui, donne-nous de les connaître comme toi tu veux que nous les connaissions, Seigneur. S'il te plaît, que chaque dirigeant ici s'applique, Seigneur, à laisser le Saint-Esprit travailler en lui pour être ce berger qui connaît ses brebis, pour que l'Église soit en sécurité, pour que l'Assemblée soit en sécurité, pour que l'Église grandisse, pour que le troupeau se porte mieux. Oh Père, effectivement, nous confessons que nous ne sommes rien. Nous sommes juste ces instruments entre tes mains pour que ton œuvre se porte bien. Père, donne-nous de nous laisser utiliser, Seigneur, à ta façon, Seigneur. Donne-nous de renoncer à nous-mêmes. Seigneur, donne-nous d'accepter d'être ce pot de yaourt, sucé et ensuite jeté. Père, parce que nous devons être des serviteurs pour que tes brebis se portent bien. Père, donne-nous de voir tes intérêts, s'il te plaît, Seigneur. Donne-nous de laisser outiller, Père, que chaque dirigeant ici accepte d'être ce que tu veux que nous soyons, Seigneur. Ces bergers qui connaissent bien leur brebis. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci beaucoup d'avoir commencé ce soir. Seigneur, en nous disant avec insistance qu'on ne connaît personne selon la chair. Seigneur, et que le fait que quelqu'un vienne à toi pour s'ouvrir à toi, pour te parler de lui, pour te raconter sa vie, ne te donne pas une connaissance de la personne. Seigneur, mais Seigneur, c'est toi qui donnes la connaissance, Seigneur. Nous devons connaître nos brebis et cette connaissance est spirituelle. Et dans le lieu de la prière pour les brebis, c'est là que nous allons avoir cette connaissance. Merci beaucoup de me l'avoir enseigné aujourd'hui. Seigneur, je peux connaître mes brebis dans les desseins de Dieu. Je peux connaître spirituellement mes brebis. J'ai compris, Seigneur, et je balais les préjugés, Seigneur, dès ce jour. Je me repens pour toutes les fois où j'ai pensé connaître une brebis avec plein de préjugés. Je me repens, je regrette et j'abandonne cela pour toujours ce jour. Et je veux, Seigneur, être un berger. Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, que je peux être un berger et je dois être un berger. Je prie, Seigneur, tu prie que tu fasses de moi un berger. Je veux être un berger capable d'écouter une brebis, capable de la connaître à partir de l'écoute, Seigneur, sans l'interrompre. Merci beaucoup, Seigneur. Nous prions que tu fasses de nous des bergers. Oh Seigneur, selon ce que tu nous as montré depuis mardi dernier et ce jour encore, Seigneur, pour connaître ces brebis, Seigneur, donne-nous d'être des bergers. Seigneur, donne-nous d'être des bergers. Nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, donne-nous d'être des bergers. Parce que tu nous appelles à mieux connaître nos brebis. Et pour cela, tu nous permets de prier, de méditer, parce que c'est à travers la prière. C'est à travers la méditation, oh Dieu, que tu vas nous parler de tes brebis que tu nous as données. S'il te plaît, Seigneur, accorde à chacun d'entre nous de méditer dans ta parole, de méditer dans ta parole et de prier, de prier, de prier pour avoir une connaissance révélationnelle des brebis que tu nous as données. S'il te plaît, Seigneur, accorde-nous aussi d'avoir Dieu, de chercher Dieu, d'emmagasiner Dieu, d'être abondant en Dieu. Oh, s'il te plaît, pour davantage connaître les brebis que tu as mis sous notre responsabilité. Nous te supplions, Père, nous te supplions. Donne-nous, notre Père, d'avoir la plénitude de Dieu, d'emmagasiner Dieu. Nous te supplions, Seigneur, afin que nous soyons ces bergers sur qui tu peux compter. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen.